Angers 14e accueille Nancy 15e. Les deux équipes ont le même nombre de points, mais les dernières semaines ont été contrastées de part et d'autre. Le SCO a obtenu le nul contre Rennes avant de s'imposer à Lille, tandis que les Nancéens ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, dont 2 revers consécutifs en ayant encaissé 7 buts sans en marquer un seul. C'est du reste le problème récurrent des hommes de Pablo Correa depuis le début de la saison, avec seulement 18 buts inscrits. L'attaque la moins prolifique de Ligue 1. Les Angevins, privés de Berigo et Diédiou, sont entreprenants par Toko Ekambi qui est à l'origine de cette action. Le ballon dans la surface, la remise à Dendoy pour l'ouverture du score de Jonathan Bamba. Après simplement 5 minutes de jeu, le SCO mène à 0 grâce au deuxième but en Ligue 1 de Jonathan Bamba, son premier depuis son arrivée au SCO, lui le joueur prêté par l'AS Saint-Etienne. La remise de Cheikh Ndoye est subtile et Bamba prend le meilleur sur les défenseurs nancéens pour tromper ensuite Sergei Tchernik. Tchernik doit s'interposer sur cette frappe de Toko Ekambi, le champion d'Afrique avec le Cameroun. Par la suite, Mangan ne cadre pas sa frappe. Les hommes de Stéphane Moulin qui sont nettement dominateurs mais qui ne restent pas pour autant à l'abri d'une opportunité nancéenne. La frappe d'Adji semblait cadrée et Mathieu Michel sent la parade qu'il faut. Beaucoup d'occasions pour les Angevins dans cette première période. La tête de Toko Ekambi passe au-dessus, mais il y a beaucoup d'envie pour les hommes de Stéphane Moulin qui ont largement dominé les débats dans cette première période et ils mènent donc logiquement à la pause. Un état d'esprit dans la lignée de leur victoire contre les Lillois. Nancy subit et peine à se montrer dangereux. La défense commet des impairs, mais les Angevins n'en profitent pas avec cette très grosse occasion de Cheikh Ndoye. La frappe est trop fuyante. Nancy tente son va-tout en fin de rencontre avec cette frappe de Pouillot. Cheikh Ndoye, en bon capitaine, sauve les siens. À l'aller, Nancy s'était imposé 2-0 grâce à notamment un but de Pouillot. Cette fois-ci, il rate l'égalisation. On en reste là. Angers effectue une belle remontée au classement avec cette deuxième victoire consécutive. Nancy s'incline pour la troisième fois d'affilée sans marquer le moindre but et devra réagir dans quelques jours dans son match en retard important face à Caen, un autre concurrent au maintien.